Comme si j'allais te croire, face de calamar. T'essayes de me détruire depuis des mois. Insulte-moi si ça t'amuse, petit. Tu viens de condamner ta planète comme j'ai toujours dit que tu le ferais. Mais je sais même pas ce que j'ai fait. Est-ce que l'Omnitrix va exploser ou un truc comme ça? Ah, pour pouvoir sauver ta planète, tu ne dois pas l'enlever. Tu dois aller à l'intérieur. À l'intérieur de l'Omnitrix? Alors là, je suis sûr que tu mens. Le signal émis par ton utilisation de la montre a ouvert un passage. Un passage à travers lequel l'armée la plus implacable du cosmos va envahir la Terre. L'Empire Fulmini. Les Fulmini, c'est quoi? Des Italiens? Est-ce que ça devrait me faire peur? Parce que ça me donne seulement faim. Eh oh, la Terre est condamnée, vous vous rappelez? Bon, alors c'est quoi le rapport entre cet empire Fettuccini et ma montre qui fait n'importe quoi? Fulmini, c'est le vrai nom de la race d'aliens de ton dénommé Chocroc. Le passage que tu as ouvert se trouve dans l'Omnitrix. Dedans? Alors c'est qu'ils sont tout petits. S'ils essaient de sortir, j'aurais qu'à devenir quoi et les écrabouiller? Pauvre idiot, c'est une espèce qui n'est faite que d'énergie. Une fois qu'ils seront sortis des limites de la montre, ils utiliseront la Terre contre elle-même. Il faut les arrêter avant qu'ils ne puissent poser un pied sur la planète. Réunion de famille, Tennyson! Qu'est-ce que je fais? Je peux pas croire. Vilgax, c'est Vilgax! Il y a un vieux proverbe italien à ce sujet. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu penses toujours à de la cuisine italienne? Oui, mais aussi... Écoutez, Vilgax est notre ennemi. Les Fulmini sont aussi nos ennemis. Mais ils sont aussi les ennemis de Vilgax. Et l'ennemi de notre ennemi est... Mon meilleur ennemi? Et si c'était un autre de ses plans pour mettre ses sales tentacules sur ma montre? On a besoin de son aide. Pourquoi il s'inquiète pour notre planète d'un coup? Je ne m'inquiète pas, mais le destin de tout l'univers est plus important encore de l'Omnitrix est en jeu. Je connais cet appareil mieux que personne. Je suis le seul à être en mesure de stopper cette invasion. Très bien, mais j'espère que tu dis la vérité. Sinon... Oui, et nous on montera la garde. Si quelqu'un d'autre que mon cousin ressort sain et sauf de cette montre... Je ferai des calamars à la romaine. Désolé, je pense encore à la cuisine italienne. Si vous avez fini de me menacer, est-ce que je peux avoir l'Omnitrix, s'il vous plaît? Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Ton esprit limité ne pourrait pas comprendre. Non, mais je sais qui comprendrait. Je peux continuer? Mais je t'en prie. Ne bouge pas pendant que j'active le portail d'accès traversant. Ah, je vois, c'est intégré pour procéder à la maintenance de l'appareil. Mais il faut reconnaître que portail d'accès traversant est difficile à dire. On pourrait employer l'acronyme PAT comme pour je montre patte, patte, patte blanche à la porte. Je suis tout de même inquiet pour ma sécurité. Oh, ah, qu'est-ce que tu sais? Patte, patte, patte. Bon, ben moi, je vais dans le camping-car. Dans le camping-car? Pourquoi? Je vais nous faire des pâtes. Quelque chose me dit que la nuit sera longue. Alors, je crois que... je vais rester ici. Ta résilience est impressionnante. Debout, Tennyson! C'était... trop bizarre. Où est-ce qu'on est? À l'intérieur de la chambre de chargement. La chambre de chargement? C'est-à-dire dans l'Omnitrix? C'est dans cet endroit que le matériel génétique des aliens est mélangé avec ton ADN inférieur d'humain. Alors là, c'est accélère, inferno, incassable. Attends, qu'est-ce qui est arrivé à celui-là? Ça devrait être biotech. Mais le tube est plein de l'énergie de Chocroc ou des fulmis machin, comme tu dis. C'est étrange. C'est très étrange. À propos d'étrange, comment tu étais au courant pour le PAT? Il y a beaucoup de choses au sujet de l'Omnitrix que je sais et que tu ignores, Tennyson. Et je ne me donnerai pas la peine de t'expliquer. Et puis nous n'arrêterons jamais cette invasion si tu me poses des questions toutes les 5 secondes.